Voleur! Laissez-moi partir! Y'en a la check-in. Tu seras châtié! Il est arrivé juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Devenu fou. C'est pitoyable. Il y a un voleur ici. Coyolard, bienvenue derrière le prisme. Ma femme n'a rien à manger. Altaïr, mon ami, mon frère. Ça fait si longtemps. Des nouvelles d'Ada depuis son départ? Non. C'est triste. Je suis sûr qu'un jour elle te reviendra. On m'a dit qu'Abul Nukud était l'une de nos prochaines cibles. Je pourrais peut-être t'aider. Mais j'ai moi-même une mission à remplir. 4 cibles à éliminer avant midi. Et si nous nous entraidions, comme au bon vieux temps? 2 pour toi, 2 pour moi. Il s'agit des gardes personnels d'Abul Nukud. Ils seront bientôt là. Ton dieu n'existe pas. Une croisade pour toi. L'ignorance, la violence, la folie. Ton dieu n'existe pas. Nous devons résister. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? C'est nous, les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui prend? Les amis, on va plus loin. Je demande. Mais il essaie d'échapper à quelqu'un. Écoutez-moi tout. Je suis venu vous avertir.
D'autre à faire que de prospérer tes blasphèmes. Vous me faites mal. Garde-toi de moi. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière journée. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Soyez prudents, mes amis. Sheritan est partout. Il attend. Des milliers de vies pour la défendre. Tu oses commettre un larcin sous une milieu. Tragédie, bien sûr. Mais aussi qu'est-ce qu'il a à un comme grand ça honneur. Non, il n'y a pas de ne partez pas comme ça. Trop vite, il va blesser quelqu'un. Il va finir par blesser quelqu'un. C'est une qualité que j'apprécie chez Zachary. Je vais me donner un peu d'argent. Le diable a ses trousses ou quoi? Vous ne comprenez pas? Je suis pauvre. Venez voir mes marchandises. Quel exploit! Ça me rappelle Alep. Tu n'as pas oublié? Bien, j'ai trouvé ceci sur l'un des hommes du prince des marchands. Je crois qu'il s'agit d'une carte qui indique les endroits où il a posté ses gardes. Cela devrait être utile pendant ta mission. Lors de ta prochaine visite à Damas, viens me voir. Ma porte est toujours ouverte. Paix et sérénité, mon ami.
lapidaire. Tu n'es qu'un sale voleur. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Laissez-moi partir. Mais qu'est-ce qu'il a? Sale voleur, je te ferai trancher la main. Et c'est donc. J'ai même brûlé, mais qu'est-ce que c'est? Un fidèle. C'est trop facile. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. D'être venu. C'est un honneur. Que puis-je faire pour vous? Portez la lettre que je vous ai remise au camp de Salah Adin. Cherchez un homme du nom d'Hisham. Il vous aidera, et surtout, ne dites rien à personne. Ma mission restera secrète. Alors l'affaire est conclue. Une croisade pour quoi? L'ignorance? La violence? La folie? Va-t'en, paysan, ou je te botte le train. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Quitte les lieux. Et par le sud, les Anglais sont armés de fidèles arrivent. Et ils prennent la main dans leur pillage. La Hadine est partie à leur rencontre pour nous venger de leurs actes barbares. Priez pour que Dieu, exalté et glorifié soit-il, nous entende et nous accorde la victoire. Consume notre terre. Il a fallu sacrifier des milliers de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr. Mais aussi, je te ferai trancher la main. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu. Il y a un homme mort. Je vais t'éliminer. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Oh, que Dieu lui vienne en aide. Par ici! J'en ai vu un! Aidez-moi! Il est prêt de me tuer!
ce que tu veux. Personne n'est plus généreux qu'Aboul Noukoud. Chaque semaine, il ouvre les portes de sa demeure au peuple de Damas et lui permet d'oublier ses ennuis et de se divertir. Nos journées sont tristes, mais grâce à lui, nos soirées sont pleines de joie. Personne n'est plus généreux qu'Aboul Noukoud. Chaque semaine... Aboul Noukoud. Il a sauvé notre ville d'une destruction certaine. Il veille à ce que personne ne manque de nourriture ou de vêtements. Ses hommes alimentent les feux qui nous réchauffent. Sa bonté est sans limite. Tout ce que nous possédons, c'est à lui que nous le devons. Le prince des marchands subvient aux besoins de tous, sans jamais rien demander en retour. Puisse sa générosité servir d'exemple. Nous devrions tous tenter de l'imiter. Je vais parler. Je ne tiens pas à mourir pour lui. Son argent n'en vaut pas la peine. C'est une sage décision. Dis-moi ce que tu veux. Rencontrer le prince des marchands. Ha ! Je te souhaite bonne chance. Il ne quitte jamais ses appartements. Quoi ? Aurait-il peur ? Non, c'est la haine qui le dévore. Il se hait presque autant que ceux qu'il prétend servir. S'il se terre chez lui, c'est qu'il a honte de ce qu'il est. Il finira bien par se montrer. Parfois, il prend la parole, brièvement, lors des fêtes qu'il donne. C'est sa façon à lui de renforcer son sentiment d'appartenance et d'afficher son mépris. Mais que cherche-t-il à cacher exactement ? Tu verras bien. Laisse-moi partir. Te laisser partir ? Pour que tu lui divulgues mon plan ? Je ne dirai rien ! Oui, tu as raison. Cassez-le. Tu n'as rien à faire ici. Nous avons absolument tous les droits. C'est bizarre. Nous avons absolument tous les droits.
pitié, ne me faites pas de mal. Cover. Quoi, mon dieu, les rétiques. Merci, Wallace. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre foi. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Tu n'es pas le bienvenu ici, battant. Tu ne m'échapperas pas. Arrière, je te laisserai pas passer. حري به ألا يسبب أي متاعب. Paix et sérénité. Tu as besoin d'informations sur cette ville, je suppose. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Je dois retrouver des drapeaux qui ont été volés dans notre cage du quartier riche de Damas. Mais avec cette chaleur, mes jambes ont du mal à me porter. Oh, tu voudrais bien m'aider? Rapporte-moi ces drapeaux et je t'aiderai. Il n'a pas le droit d'être ici. Va-t'en. Arrière. Je te laisserai pas passer. Ici. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Merci. Le Rafik sera heureux de revoir ses drapeaux. J'ai des informations qui pourraient être utiles. J'ai déjà été invité par Aboul à l'une de ses soirées extravagantes. Il y a une fontaine au centre du palais du prince des marchands. Elle devrait être facile à escalader. Fais bon usage de cette information. Maintenant, excuse-moi, mais je dois partir. Sale voleur, tu te ferais trancher la main. À l'aide, à l'aide. Sale voleur, je te ferais trancher la main. C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui prend? Maudit infidèle. Merci pour votre gentillesse. Que Dieu punisse celui qui a fait ça. J'en fais serment. Vous cachez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je serai à vos côtés, jusqu'au bout. Oh. Où es-tu? Le monde. Je sais que le tu monde n'es pas loin. Il y a peut-être quelqu'un à cette place. Tu es un homme mort. Tu ne peux pas t'échapper. Se blesser et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider.
perdu la tête ou quoi? N'avance plus. J'ai besoin de vous, je vous en prie. Contre nos ennemis. Qu'est-ce qu'il compte faire? Maudit soit-il! Maudit soit le roi de Kémaïdou! L'armée d'un vieux! Les hommes agissent contre la volonté de quelqu'un, c'est pourquoi il fait ça? Partout où il marchera ensuite vers Jérusalem, il faut l'arrêter! Le mettre hors d'état de fuir! Une croisade, c'est pour citer la nôtre! Fiche le temps! La violence, la folie! Nous devons résister! Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle! Et ils sèment la terreur dans leur sillage. La Haline est partie à leur rencontre pour nous venger de leurs actes barbares. Priez pour que Dieu, exalté et glorifié soit-il, vous entende. Voilà, la livraison est complète. Bien. Je veux en informer le vizir. Et fais-lui bien comprendre que ce genre de marchandise n'a pas été facile à trouver. Ce n'est que du vin. Certains font des entorses à la loi. Il y a un passage dans votre livre saint à ce sujet, je crois. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distrait par l'espoir, car bientôt, ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Je ne suis pas sûr de comprendre. N'en parlons plus. Fais ce que tu as à faire. Comme tu voudras. Ah,
Il n'a rien à faire ici. D'accord. Pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Le monde le demande. Il est là! Un instant, Altaïr. Ma requête va te paraître étrange, mais peut-être jugeras-tu bon de m'aider. Je sais que tu veux éliminer le prince des marchands, mais d'autres en ville sont tout aussi cruels. Plusieurs commerçants de ce quartier se sont mis à nous fournir de la viande avariée. Ils l'achètent à bas prix et la revendent sans se soucier des conséquences sur notre santé. Plusieurs de nos enfants ont déjà succombé. Il faut mettre un terme à cette injustice. Accepterais-tu de t'en charger ? Je vais te trancher la tête. Je ne peux pas t'échapper. Je te remercie, frère. Tu as sauvé d'innombrables vies. En signe de ma gratitude, je vais t'apprendre quelque chose qui te sera utile.
J'ai surpris une conversation entre deux serviteurs du prince des marchands. Ils ont laissé un échafaudage juste devant ses quartiers personnels. Tu pourrais t'en servir pour l'atteindre plus rapidement. Comptez sur moi. Très bien, il n'a pas tort. Je vous en supplie. Je ne reste pas là. Piquez. Recommence pas. Je ne l'ai pas. Pour nous venger de leurs actes barbares. Priez pour que Dieu exalté a glorifié la force. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Tu n'es qu'un sale voleur. Tenu d'eau. Tu ne m'échapperas pas. Ça ne sera pas très cher. Tu seras châtié. Tu ne peux pas. Non. Je vais te tomber la tête, maudit infidèle. Juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Qu'est-il passé ici? Mais c'est... Oh. Vous me donnez un peu d'argent? Où es-tu? J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève de faim. Tu n'as pas le droit d'être ici. Il a à courir comme ça. Il a peut-être quelqu'un. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi une pièce. Donnez-moi juste une pièce. Pitié. Je te fais trancher la main. Maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles. Tu seras châtié. Mais les gueux, tu ne seras pas le roi chrétien. Gebel, kafir! Abandonne!
Merci pour votre gentillesse. Je vous redonnerai ça. J'en fais serment. Soyez prudents, mes amis. Cheitan. Il est partout. Il attend. Dieu tout puissant. Il observe. Il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adin. Et armons-nous du mieux que nous pouvons.